Coucou à tous, c'est Crime, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur un tout nouveau jeu que je viens à peine d'acheter qui s'appelle Stardew Valley. Donc voilà, c'est un nouveau jeu que je vais découvrir en même temps que vous, qui a l'air super sympa. C'est un petit jeu voilà, de gestion, de ferme, tout mignon, tout pixelisé, et on va découvrir un peu ça ensemble. Et ben tout de suite, allez on est parti, nouveau. Alors, moi je vais... Je suis une fille déjà, hein, c'est bien, voilà. Alors ensuite, je m'appelle comme ça. Le nom de ma ferme. Bon bah, on va rester dans des classiques. Hop. Un truc que j'aime jouer. C'est fou. Ouais. Les couleurs des yeux, on est plutôt dans ces eaux-là. Les cheveux. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire un blond correct? C'est pas gagné. Ouais, bon. Ouais, c'est à peu près bon. La couleur du pantalon, c'est très bien comme ça. Les cheveux, voilà, de couette. Eh ben, moi je préfère les chiens. Et on est... Ah oui. Hop. Ouais, allez hop. On est parti. Ah, une petite intro. Il y a ma petite fille adorée. Cette enveloppe scellée est pour toi. Ok. Non, non, ne l'ouvre pas tout de suite. Patience. Maintenant, écoute-moi bien. Un jour ou l'autre, tu te sentiras accablé par la vie moderne. Et ton esprit lumineux se consumera dans le vide grandissant qui l'entoure. Rien que ça. Donc je vous laisse découvrir un petit peu l'intro. Visiblement, je travaille dans une société en open space avec 200 000 ordinateurs. C'est bloqué ou quoi? Il y a les caméras au-dessus des ordinateurs. Attends d'être sûr qu'on bosse. Ah, là, ça c'est moi. J'aime bien chez les ordinateurs, ils sont plus gros que les gens. C'est normal. Vas-y, ouvre. Si tu lis ceci, ça signifie sûrement que tu as désespérément besoin de changer de vie. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. J'avais perdu de vue ce qui importait le plus dans la vie. Un lien, une connexion avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour aller vivre une vie qui me correspondait vraiment. Je te lègue par la présente mon logis, ma ferme. Ma fierté et ma joie, la ferme Sims Farm. Elle se trouve à Stardew Valley, sur la côte au sud. C'est l'endroit idéal pour démarrer une nouvelle vie. C'est ce que j'ai de plus précieux à offrir et elle est désormais tienne. Je sais que tu feras honneur à la famille, ma petite fille. Bonne chance, je t'aime très fort, grand-père. PS, si Lewis est toujours en vie, salue-le de ma part. Ok, allez, on est parti.
on prend le bus, on roule. Donc nous voilà arrivés. Bonjour, tu dois être Krim. Je suis Robin, la charpentière du village. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher et te montrer ta nouvelle maison. Il est sur place, il prépare ton arrivée. La ferme est par là, si tu veux bien me suivre. Eh ben allons-y. Ah oui, il y a du boulot. C'est la ferme Sims Farm. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, c'est un peu le bazar, mais la terre est meuble et fertile en dessous de tout ça. Avec un peu d'effort, tu l'auras nettoyé en un rien de temps. D'accord? Nettoyons. Et nous y voilà, ta nouvelle maison. Ok. Donc ça, c'est le fameux Lewis. Ah, notre nouvelle fermière, c'est moi-même. Bienvenue, je m'appelle Lewis, maire de Payton Town. Tu sais, tout le monde est curieux de te rencontrer, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un emménage ici, c'est un événement important. Donc tu emménages dans la maison de ton grand-père, oui c'est ça. C'est une bonne maison très rustique. Rustique, c'est une façon de dire les choses. Croulante serait plus appropriée selon moi. Voilà, ne sois pas vache. Ne l'écoute pas, Krim, elle est juste en train d'essayer de se faire de l'appui pour que tu lui fasses agrandir ta maison. Bon, le trajet t'a sûrement épuisé, tu devrais aller te reposer. Demain, tu devrais explorer un peu la ville et te présenter aux villageois. Les gens apprécieront beaucoup. Bon, ben voilà. Oh, j'allais oublier. Si tu as quelque chose à vendre, mets-le dans cette boîte. Je viendrai le chercher à la nuit tombée et t'enverrai l'argent de la vente. Bien, bonne chance. Ben, merci. C'est parti. Donc, il va falloir qu'on aille voir les gens. Ok. Ah oui, alors je vais prendre 2 secondes pour aller modifier quelques options, si vous permettez. Moi, j'aime bien jouer. Donc, aller en haut. Aller à gauche. Elle est en bas et à droite. Hop, ça va être plus facile. Ok. Donc on doit aller voir les gens. Oh, ça doit être les petites maisons là. Ok, allons voir les gens. Je crois qu'on doit aller voir les gens. Oui, c'est ça. Non? Socialisation. Ce serait une bonne idée d'aller vous présenter en ville. Certaines personnes sont sûrement impatientes de rencontrer le nouveau fermier. 2 sur 28 personnes saluées. C'est parti. Bon, c'est par là. Ah non, ça c'est le bus pour partir. Peut-être pas se barrer tout de suite quand même. On vient d'arriver. Bon, alors, est-ce qu'il y a des gens par là? Ah, là, il y a des maisons. Ah, un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Rien n'est affiché aujourd'hui. Okay. Non, je ne peux pas rentrer. Est-ce qu'il y a des gens? C'est fermé, ouverture midi, minuit. Ok.
Ok, pas de souci. Voilà, ailleurs. Alors, les villageois sont impatients de me rencontrer, mais ils sont pas là, hein. D'un côté, c'est 8 h du matin aussi, mais bon. Bonjour. Ben, reviens, mon gars. Il veut pas. Shane, je ne te connais pas, pourquoi tu me causes? Eh bien, écoute, hasta la vista, hein? Si tu veux pas parler, hein? Bon, attendez, on va faire un tour sur les options là parce que. Restaurer, action inspectée, clic droit, X. Ok. C'est fermé, ouverture 9 h. Ah, ça va, il est 8 h 40. Ah, bonjour. Ah, le maire Lewis m'a dit que tu venais d'arriver, je m'appelle Marnie, c'est bien. Ah, si ça a marché quand même. Allez, viens par là. Ah, on rentre chez les gens, c'est bien. Bonjour monsieur. Salut. Oh, une étrangère, je m'appelle Vincent. Maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers, mais toi, tu as l'air cool. Bien sûr. Fais-toi plaisir. Ta mère là-bas? Ouais. Pour rentrer ou pas? Vous n'êtes pas assez amis pour rentrer dans sa chambre. Bon, d'accord, ça va. Je rentre pas dans sa chambre. Madame? Je ne vais pas parler. Je vais t'occuper. Ah voilà, je dis. Oh, tu n'es pas exactement comme je l'avais imaginé. Moi, ça va. Non, mais ça va. Moi, c'est Jody. Ok, c'est cool. Bon, voilà. À bientôt, les amis. Hein. Ok, donc on en est où là? 6 sur 28, c'est bien. Hop, ça devait ouvrir à 9 h, il est 9 h 50, c'est bon. Ah d'accord, c'est bien, c'est ouvert, mais ah si, mais derrière, il n'y a personne. Bonjour. Oh, tu es la nouvelle fermière ou je ne sais qui. D'accord, oui, forcément. Allez, ciao. Ah, encore une fois, je n'ai pas. Penny, salut. Ok, bah salut. Salut à toi. Hop. Non, mon petit poison. Est-ce qu'on n'a pas été encore? On n'a pas été à la pharmacie. Hôpital, je sais pas trop. Oh, bah oui. Bonjour, monsieur. Ah non, je veux pas ça, non. Moi, si j'ai des trucs à acheter, il n'y a personne à voir. Ok, ciao! Et là, chez Pierre. Est-ce qu'il y a... Oh, bah oui, il y a des gens! Salut, Gus! Gus, Gus! Salut, toi, je suis Gus Cuistot et propriétaire du Salon Star. Drop! Ok, c'est cool, pardon, Gus. Mais comment c'est passé? Hop, on va aller voir la dame là, avec les cheveux violets. Ah, c'est vrai, j'ai entendu dire que quelqu'un avait aménagé dans la vieille ferme. Bah, c'est moi. Et toi, qu'est-ce que tu vends? Ouais, mais alors, je sais pas encore comment on plante ces choses-là, donc on va pas acheter des graines tout de suite, hein. On va se laisser un petit peu de temps. Allez, on a encore des maisons à visiter. Ah! Ça, c'est le même que tout à l'heure. Ah non, c'est Alex. Donc, tu es la nouvelle arrivante. Je pense qu'on va bien s'entendre. Je m'appelle Alex. Enchantée. Allez. Allez, rentre. Non, tu veux pas rentrer? Ah, mais chez papy et mamie. C'est irritant d'avoir rencontré tous ces gens. Au fait, moi, c'est Georges. Ok. Bonjour Georges, excusez-moi, je vais voir ta femme. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler Mamie si tu veux. Ok, Mamie. Personne d'autre qui vit chez vous? Non, ok, ciao.
Bientôt. Bon, attends, il y a quelqu'un là. Reviens, reviens. Reviens, Janine. Je t'ai vu rentrer là. Allez. Léa. Elles on a déjà rencontré celle-là, non? Hop. Et ici, toi. Ok. Oui, mais je suis la nouvelle propriétaire. On en est où là? 15. Ouh! On tient le bon bout. Et on va encore aller squatter chez les gens. Très bien, ça, tu rentres chez les gens. Ah, mamie, on l'a déjà vu. Grosse maison. Vraiment, dans les grosses maisons, il y a plein de gens ici. D'accord, c'est une grosse maison et à l'intérieur, elle est toute vide. Et en plus, il n'y a personne. Ok. J'ai vu qu'il y avait une caravane en haut. Hop. La caravane, elle est plus grande que la maison, quoi. Cherche l'erreur. Penny. Ah non, on s'est déjà vu, Penny. Bon alors, où est-ce que je peux aller? En bas ou à gauche? Allez, en bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a la plage. Si on doit ramasser tout ça, on reviendra si. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est fermé, seuls les amis d'Eliott peuvent entrer. Ok, bah, je suis pas amie avec Eliott a priori. Et ça, qu'est-ce que c'est? Avec 300 pièces de bois. Oui, bah, on n'y est pas, hein. Ouais, on reviendra plus tard, visiblement. C'était une cloche. À droite, l'autre gauche. Allez, on va rentrer dans les maisons. Qu'est-ce que c'est? Salut, moi c'est Clint. Chantez, Clint. À bientôt. Allez. Hop! C'est une bibliothèque. Bonjour, bien au centre archéologique. Sinon, hein, on n'aime pas un seul artefact. Mais je promets un métier bientôt. Si tu trouves des artefacts ou des minéraux dehors, tu me le feras savoir, bien sûr. Il y a des gens là dans ton musée ou. C'est quoi ça? Il manque un livre ici. Bah, je n'ai pas moi ton livre. Il n'y a pas un pélos. Allez, on repart. Ok. Ah, c'est dur de rencontrer 28 personnes là. Il n'y a personne dans ce bled. Bon, je crois qu'on va repartir. Hein, parce que où sont les gens là. Ah, il y a encore des gens là. Madame. Attends, attends, attends. Reviens, reviens, reviens. Reviens, Gertrude. Ah, salut Abigail. Ah voilà, t'as fallu coincer comme ça quoi. Salut gamine, moi c'est Pam. Ok, c'est cool. Attends, je vais choper lui aussi. Hop. Salut Sam, enchantée, la même. Ok. Ah, ah, supermarché, il va y avoir du monde. Magnifique. Allez. Shane semble très occupé, il a peine à vouloir parler. Ah mais d'accord, bon bah ciao. Toi je peux te causer? Non, je peux pas te parler. Et il y a personne chez vous. D'accord, bon bah écoute. Tant pis. Toi je peux te parler? Ou tu veux pas? Bonjour, bienvenue, hein, Maurice. Je ne crois pas que nous nous soyons présentés, je suis Maurice, représentant Satisfaction Client. Quand vous déciderez de devenir un membre, je serai enchantée de rendre votre transition la plus agréable possible. D'accord, tu m'en diras tant. Allez. Bon.
Où est-ce qu'on peut aller alors? Bon, ce serait bien que je croise du monde là. Il n'y a personne. Bon, on en est où sinon? On en est 18. Et il en manque 10 quand même, hein? Les gars, moi je veux bien rencontrer la Terre entière, mais il faudrait qu'il y ait du monde quoi. Je vais passer la journée à essayer de croiser des gens. On va voir la map, là, on est où? On est là. Ah, je peux monter. Il y a encore des maisons là. Et puis il y a aussi des maisons là et là. Ok, allez, on va en haut. On peut monter par là ou pas? Allez. Oula. Ah non, il n'y a pas de maison là, qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis où? Je suis là. Ah oui, je suis là. Bah oui, j'ai déjà vu les maisons là-bas alors. Là, j'ai déjà été sur la plage. On va repartir de toute façon. Enfin, on en est, j'ai envie de dire. On va pas se mettre à parler aux arbres. Hein. Je pense qu'ils vont pas nous répondre. Je suis pas sûre que ça compte. C'est quoi ça? Je sais pas. Pélican. Je sais pas si on a été là-dedans. Allez, on y va. C'est fermé. Bon, bah voilà. Alors, je vais finir par me noyer dans la fontaine. Ah, magnifique, une aire de jeu. On peut jouer? Une seconde. Voilà, j'ai la souris. Il va faire nuit là. Il va faire nuit, j'ai rien foutu quoi. Allez, on allons-nous. Il y a encore des gens que je connais pas quelque part. Youhou les gens. Ah, on se connaît pas ça. Attends, attends, viens. Je crois qu'on se connaît pas. Je sais plus. Comment c'est ton petit nom? Clint. Ah si, si, on se connaît Clint. Autant pour moi. Mais il y a des copains que je connais pas. Shane. Non mais alors Shane en fait il veut jamais me parler. Je pense que Shane, il m'aime pas. Je suis désolée, j'ai déjà dû leur parler à tous les coups. Bam, voilà. Bus, bah oui, je sais, Bus, on se connaît. On est potes. Et toi, t'es qui? Émilie. Ah non, Émilie. Émilie, on se connaît pas. Voilà. Il y a des gens là-bas ou il n'y a pas des gens? Là, il n'y a pas des gens. Et là, il n'y a pas des gens. Bon, bah, s'il n'y a pas des gens, on s'en va. On s'en sort, tiens, on est à quoi? 19? 19, mais il en manque 7! Enfin, non, 9 même. J'ai un peu de mal, les chiffres c'est pas mieux. Et ben, je sais pas où aller moi, j'ai fait le tour. Hein. Il y avait personne, c'est fermé. Ok, bah écoute, si c'est fermé, on va peut-être rentrer chez nous, non? C'est moi j'ai fait le tour du bled là. J'ai fait le tour du bled et j'ai vu personne. Bah, de toute façon, je peux plus rentrer nulle part. Ils sont tous fermés. Bon, on va rentrer chez nous. La question, c'est comment je rentre chez nous. Ok. Allez, c'est parti. Je pense que ça doit être par là. Donc, il faut qu'on revienne demain. En espérant qu'on... Non, c'est pas là. En espérant qu'on aura plus de vol demain. Ah, c'est ça, là où il y a le bus. Et hop, je suis chez moi.
Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu faire du ménage, je sais pas si... On récupère des trucs, je sais pas si... La pierre. Il se fait tard. Allez, c'est bien, elle va dormir. Allez hop. Il y a un cadeau là, je peux. On peut aller prendre le cadeau. Ouais, des graines. Vous recevez 15 graines de panais. Voici quelques graines pour t'aider à démarrer. Magnifique. Du coup, j'ai une autre mission, c'est ça. Si vous voulez devenir fermier, vous devez commencer par la base. Utilisez la houe pour labourer le sol, puis plantez-y des graines, arroser tous les jours jusqu'à ce que les cultures soient prêtes. Ok. Bon, ben, on verra ça demain. Parce que pour l'instant... Non, qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas. Laisse le tapis ici. Comment on fait pour dormir? Ah voilà, on fait comme ça. Non, on fait pas comme ça. Ah si, elle dort. Je sais pas si elle dort. Comment ça marche? Tu veux pas dormir? Attendez, j'ai peut-être pas un truc dans les options. Hop. Action, inspecter, utiliser outils, clic gauche, journal, carte, aller en haut, en bas. Inventaire. Non, bah, il disait pas, hein, il dort. Pas dormir. Ah, bah voilà, dormir.